Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mike pour un nouveau Dog News en pleine nuit. Mais l'actualité n'attend pas et on vient de l'apprendre il y a à peu près 2 heures. La fameuse édition collector Firefly va arriver en France. Alors très honnêtement, on n'y croyait pas du tout. Et même sur Naughty Dog Mag, il y a plusieurs personnes nous avons répondu comme quoi il y avait très peu de chance, voire aucune chance, notamment par respect envers les fans. Et bien aussi fou que cela puisse paraître, si. Et vous allez voir que l'annonce est une véritable douche froide. Alors déjà au niveau du prix, il faudra compter 110€ pour cette édition Firefly qui arrivera le 26 janvier prochain en exclusivité sur PS5. Passons maintenant aux choses qui font un peu moins sourire. Il faut savoir que dans cette édition française, vous n'aurez pas l'édition physique du jeu. Vous aurez uniquement un code de téléchargement qui sera fourni dans la boîte pour télécharger le jeu en version digitale sur le PlayStation Store. Le pack Firefly Edition contient donc le DLC Left Behind, un steelbook en édition limitée et le comics The Last of Us American Dream avec les tomes 1 à 4. Mais là encore, mauvaise nouvelle, ils n'ont même pas pris le soin de traduire le comics qui sera donc disponible uniquement en anglais. Vous allez avoir également les items de l'accès anticipé avec les compétences confection rapide et guérison rapide, mais également les améliorations de vitesse de rechargement pour le pistolet 9mm, les capacités pour le chargeur de fusil de chasse, les modifications de jeu flèche explosive et le filtre vibration punk ainsi que le mode speedrun. Vous aurez également les skins d'armes or noir pour le pistolet 9mm, le filigrane argenté pour le pistolet 9mm, le caoutchouc pour le fusil tactique, le chêne sculpté pour le fusil à pompe, le blanc arctique et pour l'arc et le noir carbone là encore pour l'arc. Voilà pour ce qui va être proposé dans cette édition Firefly de The Last of Us Partie 1 qui arrivera, on le rappelle, en exclusivité sur PS1 le 26 janvier au prix de 110€, plus précisément de 109,99€. La livraison est gratuite et pour moi vous pouvez le précommander uniquement sur le site officiel de PlayStation, vous retrouverez le lien en description de la vidéo. De notre côté, chez Naughty Dog Mag, nous trouvons cela assez inadmissible, autant pour l'édition numérique que pour la non-traduction du comics, mais surtout pour proposer cette édition 6 mois après son annonce. On vous le rappelle, le jeu a été annoncé lors du Summer Game Fest en juin 2022 avec une édition Firefly qui était déjà disponible pour les États-Unis. Et là, ce qui est vraiment choquant, c'est de se dire que sachant que c'est une édition numérique et que le comics n'est absolument pas traduit, ça veut dire que c'était d'ores et déjà prévu que ça arrive en France et ils ont juste attendu 6 mois après l'annonce, 3 mois après la sortie du jeu, tout simplement pour qu'une grande partie des fans repasse à la caisse pour cette édition qui, on le rappelle, est également en édition limitée. C'est un très mauvais coup de la part de Sony et on trouve ça assez inadmissible de manquer de respect envers les fans européens, notamment les fans français de la sorte, puisque vu ce que propose l'édition, elle aurait très bien pu être annoncée en même temps que l'édition américaine. C'est complètement donc absurde et inadmissible de faire cela, sachant qu'une grande partie des fans ont déjà acheté leur édition simple, que ce soit numérique ou en version physique. Donc vraiment, de notre côté, on est vraiment assez mécontent de cette décision de Sony Interactive Entertainment et on trouve cela vraiment dommage car ça va encore un peu nuire à l'image de Naughty Dog et on n'avait pas vraiment besoin de ça parce que The Last of Us Part 1 mérite amplement d'être mis en avant pour les bonnes raisons, donc c'est assez dommage. Voilà pour cette annonce, on ne sait pas vraiment si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle de la nuit. N'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo pour trouver le lien de précommande, mais également notre article pour avoir tous les détails sur cette édition Firefly en Europe. Nous, sur cela, on va se quitter. On se dit à très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite. Salut à tous !